Est-ce que tu t'es déjà senti coincé, ne sachant pas quelle issue prendre, totalement submergé par tes émotions, ou bien pire, ne plus rien sentir du tout? Est-ce que tu connais ça, quand la tête tourne à du 180 à l'heure et tu demandes un conseil à tout le monde juste pour te sentir encore plus perdu et plus abandonné et plus seul? Tu te demandes ce que ça veut dire en fait d'être une femme. C'est comme si le sol se dérobait sous tes pieds et que la terre entière va t'engloutir pour éteindre cette petite flamme qui est à l'intérieur de toi. Et ça te fait peur. Alors que jusqu'ici, tu étais celle qui a toujours tout assumé pour toi et pour tous les autres. Si tu connais ça, alors moi, je suis passée par là et je sais exactement comment tu te sens. En 2015 et plusieurs fois avant, je me suis écroulée. Et en 2015, c'était pour une longue période et je ne savais plus du tout comment m'en sortir. Il me fallait une mission de vie, il me fallait une raison de vivre et surtout le courage pour me relever et pour marcher dans cette vie. À ce moment-là, j'ai pris un coaching et cette personne m'a aidée à trouver ma mission de vie. J'ai eu une vision d'un rituel chamanique de guérison, suite auquel, en l'étudiant, cette vision, j'ai développé une méthode pour aider les femmes à se connecter à leur corps et à sentir cette magie à travers et avec l'aide du corps pour pouvoir enclencher et enflammer cette lumière, cette passion à l'intérieur, cette force, cette enthousiasme, cette puissance qui est la nôtre, nous les femmes magiques, nous les femmes qui savons ce que nous valons et qui voulons changer d'abord notre petit monde à nous, notre petit monde intérieur, puis le monde à qui nous entoure et rendre cette terre un endroit meilleur. Si tu sens cela et si tu as besoin de cela, je peux t'aider et je suis très contente que tu es ici.